Salut tout le monde, aujourd'hui nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Je présente ta chaîne et aujourd'hui trois chaînes au rendez-vous pour m'excuser d'avoir été pas présent pendant un petit bout dans les présentes de ta chaîne. Donc Darkness Master qui m'a demandé en premier de faire présent ta chaîne et que je lui avais dit de faire premièrement une vidéo pour que je vois c'est quoi. Donc lui il présente des creepypasta. En fait des creepypasta c'est désolé. De mon rot, c'est dégueu. Je sais, c'est à cause que. Oups, justement, ce que je viens d'accrocher, c'est ma tarte au citrouille, les amis. Magnifique, c'est trop bon. Donc, un creepypasta, en gros, c'est quoi? C'est en fait une croyance populaire, un mythe populaire qui fait peur, qui est creepy. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est présent. Donc, c'est un jeune Québécois qui présente des creepypasta. Ben, Donc. allô, c'est Darkness Master et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne. Donc, Donc voilà, je fais avancer. Donc, quoi? par exemple, Je vous il dis, va il y a pas montrer. longtemps, il y a même eu une tentative de meurtre au nom de Slenderman. Les gens commencent à devenir fous. Donc, un jeune Québécois qui est quand même assez à l'aise devant la caméra pour ses débuts et qui a fait seulement une vidéo plus son intro, qui est assez bien fait pour un creepypasta parce qu'elle est tout de même creepy. On la voit pas avec ses yeux. Donc, belle intro réussie, c'est pile dans le poil des creepypasta, hein? Si tu me demandes de faire une intro, ça va me faire plaisir, mon gars. Mais ça sera pas à lien, hein? Ensuite, deuxième chaîne de la journée, Dezu. Donc, un gars qui fait du multigaming et beaucoup de Minecraft. Donc, Minecraftien, tout comme moi, tout comme bien d'entre nous. Et donc, lui, il fait des vidéos surtout sur Minecraft, comme j'ai dit. Il y a une superbe intro. Voilà, il y a eu de la misère à choisir une intro, hein, il est un peu comme moi. Donc, lui, c'est un jeune Français qui fait des vidéos depuis peu, qui a commencé sa chaîne pour de vrai il y a très très peu de temps. Donc, il a commencé sa chaîne pour de vrai il y a une semaine. Ok, je vous voyais, il a fait ça 3 semaines, une semaine, et voilà, il a commencé ses vidéos aussitôt qu'il avait terminé ses deux intro et outro. Donc, le reste, c'est un peu des vidéos, je veux pas être méchant, mais plus bâtard. Ils sont pas mauvaises, c'est juste que c'est comme. Quand qu'il prenait pas ça au sérieux. Et puis maintenant, ben, il prend sa chaîne au sérieux. Donc, je peux vous montrer un peu. Donc, c'est un jeune français. Vous allez voir dans sa voix. Ça est au max. Ouais, bon, comme plusieurs d'entre nous, les youtubeurs, c'est plutôt dur de setter son son au début. Mais attendez, celui-là, il y avait un bon son, je l'ai mis tantôt. Bon, mais on revoit. Voilà, au revoir. Je n'ai qu'à nous revoir. Donc, des vidéos en 720p, comme j'avais demandé, pour si vous voulez. Pour que je présente votre chaîne. Donc, une super belle chaîne, une belle bannière, une belle intro, une belle emblème, une belle outro et tout. Et une annonce de la chaîne avec la super bonne musique. Et, bien sûr, des séquences de films de films faits dans les jeux vidéo. Donc, c'est ça, Assassin's Creed Rogue. Ils vont présenter, exemple, Monster Hunter, plein de jeux, ça, je sais pas c'est quoi, mais. Plein d'affaires, c'est cool. Donc, vraiment une belle intro, félicitations à toi. Donc, 29 abonnés et j'espère que ça va monter pour toi. Ensuite, le dernier qui m'avait demandé de si peu, Eddie Xo. Donc, je sais pas s'il faut le dire en un vu que ton nom est en deux. Je vais dire Eddie Xo, tout simplement. Et lui, c'est un jeune français aussi. Je m'en rappelle plus s'il est français. Je crois qu'il est français, oui. Non, mais non. Ouais, donc c'est un Dis-moi, jeune tu français peux un petit m'entendre peu plus vieux bien? que l'autre. Donc lui ici fait des vidéos, mais beaucoup sur les jeux de guerre, donc les FPS et les jeux, ben, c'est ça, sur console. Donc lui il joue par exemple à Call of Duty, je crois surtout, parce qu'il a fait des vidéos pratiquement que sur ça. Donc je peux vous montrer.
qui a fait une nuke sur Black Ops 2. Donc il est très très bon au jeu, tout comme moi. Et vraiment, ça fait plaisir de revoir des gens jouer à COD, parce que je vous dis que des YouTubers qui jouent à Minecraft, il y en a trop. Désolé, j'en fais partie. Mais personnellement, je joue très bien à Black Ops 2 et j'adorerais avoir la chance d'avoir un HDP VR, parce que c'est cool de filmer ces parties, mais bon, c'est cher et voilà, c'est un peu compliqué. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Donc, superbe vidéo, superbe chaîne, l'ami. Très belle qualité de tes vidéos. Profites-en d'augmenter ton nombre d'abonnés. Profite de ta jeunesse et tout. Belle bannière. Peut-être une emblème à retravailler. Mais sinon, belle intro. Belle bannière. Ouais, c'est ça, bannière. Et tout. Donc, je te souhaite bonne chance. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oublie pas de vous abonner, laisser un j'aime. C'était DOS97 sur mon bureau pour que je te présente avec 3 personnes pour la journée, pour l'occasion, que ça faisait longtemps que je n'avais pas présenté le monde. C'est vrai, j'ai présenté quelqu'un la semaine passée, mais avant, cette semaine-là, j'avais présenté personne pendant quasiment un mois, et je sais qu'il y avait des gens qui m'avaient demandé, et désolé pour vous, maintenant je vous ai présenté, j'ai présenté les 3 principaux que j'avais choisis, donc c'est pas que j'avais pas regardé, c'est que j'étais débordé, je suis vraiment en examen en ce moment à l'école, mais là, mes examens sont pas mal finis, il m'en reste que 2, et je suis en congé pendant plusieurs jours, donc l'été commence, les amis, et je suis prêt à faire une coupe de vidéo avec vous autres. Donc, ciao, abonnez-vous à leur chaîne et à la mienne. Merci, et bonne journée!